tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et j'ai été action. Aujourd'hui c'est le déluge, il pleut, donc je filme dans la chambre de bébé, donc j'ai mis une petite lumière au-dessus, j'ai allumé, je me suis mis à la fenêtre. Et voilà quoi, pas qu'on est en pleine dépression, mais limite. Donc je suis allée à action pour faire un petit peu de décoration de Noël, j'ai pas trouvé grand chose, il y avait un monde fou. Pourtant là où quand je vous filme, on est en semaine, hein, mais waouh, il y avait un monde pour regarder dans les rayons, c'était pas possible quoi, et tout était dévalisé. Donc j'ai quand même trouvé quelques petits trucs que je vous montre tout de suite. Tout d'abord j'ai pris, parce que là il fait froid et que sous mes jeans j'aime bien porter quand même des petits mi-bas. Donc des mi-bas couleur poudre, je vous mettrai tous les prix. Voilà, ça se présente comme ça, rien de folichon, je ne sais plus, 49 centimes, un truc comme ça. De toute façon je les prends, hein, je les mets une fois puis après, poubelle, des petits bas. Ensuite, couleur de cheveux, alors c'est une marque que je connais pas. Rubella, mais bon, celle-là ou une autre, ma foi, ça sert exactement à la même chose. Je ne l'ai pas payé très cher, donc j'ai décidé de rester sur du acajou. Acajou rouge. Là, j'ai fait, vous voyez, j'ai fait une espèce de teinture, de décoloration, et puis ça m'a décoloré les racines. Je voulais faire blonde, et finalement, je pense que ça ne m'ira pas du tout, parce que je suis quand même assez brune de nature. Donc, j'ai pris celle-ci, à voir ce que ça donne. Ensuite, j'ai pris une petite lanterne de Noël. Oh oh oh. Donc, il faut mettre des piles. Je mettrai sur Instagram une photo d'elle allumée. Je l'ai trouvée très marrante. Donc, il y avait ce modèle-là. Il y avait des modèles avec des bonhommes de neige. Mais j'ai préféré le modèle Père Noël. Donc, ça, c'est bon. Je mets là en dessous. Ensuite, j'ai repris des feutres parfumés pour mon garçon. 89 centimes, je crois, qui ont fait un malheur. Alors, j'ai vu que, parce que je suis abonnée à leur newsletter, à Action, ils avaient un autre modèle de feutre parfumé que je n'ai pas trouvé. J'ai pris ça, ils ont fait un malheur. Il y a une fille dans l'école qui est amoureuse de mon fils à cause de ces feutres parfumés. Donc voilà, des petits feutres parfumés. Ensuite, on continue dans les décorations de Noël. J'ai pris ce petit ange. Il existait en trois modèles. Regardez, les trois modèles sont ici, mais celui-là, j'ai beaucoup aimé. Je le trouve très très joli. Moi, j'adore tout ce qui est boule à neige, boule en verre. Je le trouve très 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 beau. Un petit ange de Noël. Un verre à faire attention. Cette année, ça va être folklorique avec bébé parce que bébé va se mettre à toucher à tout. Donc, nous n'avons pas encore fait le sapin. Nous n'avons pas encore trouvé l'endroit où faire le sapin justement pour éviter que baby n'y touche. Donc, un petit ange. Ensuite, j'ai pris ceci. Ceci, c'est un petit coffret cadeau. Donc, avec deux petits... Il y a un petit gel douche et à côté, c'est une petite lotion pour le corps. Et derrière, il y a une petite éponge de bain. Donc, franchement, une misère quoi. Shower gel, body lotion et une éponge de bain. J'ai dû payer 1 euro et des brouettes. Ça, c'est le genre de cadeau qui plairait à ma mère. Ma mère étant très difficile, je lui filais ça. Elle sera très très contente. Donc ça, très très bien. Ensuite, et ça c'est pour moi. C'est des Père Noël After 8. J'adore le After 8, comme je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo. Et là, je l'ai trouvé en Père Noël. Donc moi, je cherche la tour, le Big Ben de Londres avec les After 8. Ils en avaient un moment, ils en ont plus. Donc voilà, j'ai pris ça pour moi. Les gamins vont manger ça. Ensuite, j'ai pris cette petite décoration que je trouve est très très jolie. Avec écrit Merry Christmas, Happy New Year, donc en petit bois. Donc il y avait la même en DIY à construire. Mais bon, il fallait acheter de la colle, il fallait acheter tout ça. Pour le même prix, je l'ai déjà pris monté. Donc ça, ce sera très sympa. Même en arrière-plan, quand je vais faire mes vidéos... je trouve qu'il va être très 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 joli. Voilà. Et enfin, pour terminer, du papier cadeau. Parce que le papier cadeau va m'être indispensable. Là, j'ai pris que deux rouleaux, donc je ne les ai pas payés bien cher. Voilà, ils se présentent comme ceci. J'ai pas pris les espèces de brillants parce que les brillants empaquetés les cadeaux, c'est de la merde, quoi. Ils se déchirent et tout. Donc ça, c'est du craft. Donc je pense que ce sera carrément mieux. Donc voilà, vous voyez, j'ai pas pris grand chose. Je voulais du maquillage, je voulais tout ça, mais le rayon était blindé. Il y avait plein de gel douche, il y avait plein. C'est toujours la même chose en fait. J'y suis allée il y a pas longtemps et j'ai retrouvé exactement les mêmes produits que la dernière fois. Et c'est ça qui est chiant parce que quand j'y vais pas souvent, justement, à chaque fois que j'y retourne, il y a des produits que je ne connaissais pas. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. J'espère que je vous ai donné des idées de cadeaux, on ne sait jamais. Donc, pour info, j'ai été à l'action de mon DJ. En attendant, celui au mois de janvier qui ouvre à 5 minutes de chez moi. J'espère pour l'instant. Alors, c'est venu dans notre courrier Picard. C'est écrit dessus, ouverture imminente d'un action au mois de janvier dans la zone industrielle Saint-Ladre.
Pour l'instant, toujours aucune nouvelle, donc je vais faire un carnage, quoi. Je vais réouvrir, c'est obligé. Voilà, je vous embrasse. Je vous remercie d'être aussi nombreux sur ma chaîne. Le concours de Noël arrive, un big, big, big concours. J'attends des derniers prix, j'espère qu'il vous fera plaisir. N'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air ou un pouce en bas si vous aimez pas, parce que j'ai eu des tas de commentaires me disant « Ouais, t'es une faux cul, tu dis que tu t'en fous, mais tu fais quand même une vidéo pour en parler. » Ça m'a bien fait rire. Évidemment, ces commentaires-là n'ont pas été validés parce que je veux pas de ça sur ma chaîne. Voilà, je dis ce que je pensais. Et puis merde à ceux qui critiquent par derrière. Donc voilà. Bisous, à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.